Alors, nous sommes sur une installation CESKI, un chauffe-eau solaire collectif individualisé pour à peu près 40 mètres carrés de capteurs solaires et 20 appartements pour la production d'eau chaude. Alors, nous sommes sur un site qui est en exploitation par Solaire Pro et il y a un suivi connecté à distance. Alors, sur une installation solaire, qu'elle soit en rénovation ou en neuf, on va pouvoir utiliser ce système qui a besoin uniquement d'une alimentation électrique en 220 et il utilise un réseau, le réseau LoRa, qui est en bas débit, sans passer par la 3G. Et cet appareil est indépendant de la régulation existante, ce qui permet d'être adapté à toutes les installations. Alors, on est parti sur un minima, c'est-à-dire vérifier une température sur le circuit primaire et ensuite une pression, la pression du circuit primaire. Ce qui permet ainsi, en cas d'alerte, à ce que la maintenance puisse intervenir rapidement. Cette installation, ce produit, a été réalisé par Solaire Pro et la plateforme Sinox sur Montpellier, qui sera normalement commercialisée d'ici quelques mois. Et donc, je vais à présent mettre en route l'installation.